Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est le 2 janvier, on est officiellement le premier vlog de 2018. Donc Fudge et moi, on vous souhaite une excellente année malgré le fait que vous allez le voir le 3 janvier puis que je vous ai déjà souhaité bonne année sur comme toutes mes autres réseaux sociaux, mais une fois de plus, si jamais. Donc bonne année, je vous souhaite, en fait Fudge et moi et Jay aussi, on vous souhaite tout ce que vous voulez, du bonheur, de la santé, de l'amour, du succès, les Fudge, parce que les Fudge sont beaux. Donc c'est ça, aujourd'hui on est le 2 janvier, on est mardi, c'est vraiment drôle parce que le 1er janvier c'était comme un lundi, fait qu'on dirait que c'était comme le parfait début d'année. Mais bref, pourquoi ce serait dimanche? Parce que la semaine commence le dimanche. Ah, moi dans ma tête la semaine ça commence le lundi. Mais c'est pas un calendrier. Je le sais, mais moi dans ma tête, puis je suis certaine qu'il y en a plein d'entre vous aussi que les semaines ça commence le lundi. Parce que tu sais, dimanche, la majorité des gens sont en congé, tu sais, ben d'école du moins, là. Je sais que moi je travaillais souvent les dimanches avant, puis en fait je travaille encore les dimanches, soyons honnêtes, mais je travaille de la maison. Parce que là, ce n'est pas la semaine qui commence le lundi, mais plutôt la semaine de travail. Voilà. Capitaliste. Hey, l'année commence bien avec toi. Donc, ben c'est ça, dans le fond, ce matin, on s'en va déjeuner avec notre ami Marc-André. On l'a vu comme un petit peu avant le temps des fêtes, mais là, on s'est dit, on va bien commencer l'année avec un bon déjeuner. Puis après ça, penses-tu ben... Penses-tu qu'il va laisser lâcher son menton? Non, je pense pas. Surtout ça goûte les œufs, là. Non, je pense pas qu'il va te laisser faire ça. Fallait que je vous montre quelque chose, ok? Je suis comme vraiment excitée. Ça, j'ai reçu une pièce d'équipement. Une pièce d'équipement, je parle comme si c'était technique, j'écoute trop de parler. J'ai reçu un... De la décoration, dans le fond, pour ma pièce, c'est trop mignon, c'est comme un tableau, puis tu mets les lettres comme ça, puis tu peux les enlever. Fait que là, j'écris Happy 2018, parce que ma prochaine vidéo, ça va être... Oh mon dieu, je vais tellement souvent écrire. Non! Tu sais que je vais le vérifier à chaque fois hein, que je vais filmer, hein, parce Anis, que je vais l'installer comme ici, dans le coin. Scrotum. Puis, peux-tu arrêter, s'il te plaît? C'est des gros dossiers. Tu m'énerves. Fait que, ouais, je suis full contente, parce que ça a pris full de temps, je l'ai reçu en comme 3 semaines. Puis j'avais payé 50$ pour le recevoir en 3 jours. Non, c'est une palette de maquillage. C'est pas parce que ça s'appelle Tartelette by Tarte. C'est écrit. Que tu peux le manger. Tartelette. Non. T'as combien il s'appelle Tarte? Donne-moi ça! Aïe, au prix qu'il a coûté. Nous sommes des gros porcs. Donc moi, j'ai des crêpes avec des patates, avec un milkshake. J'ai une crêpe, des patates, du bacon, ouais, il y a de l'expresso. Puis Marc-André est ici avec nous. Marc-André, il y a... C'est quoi en fait? Poutine, genre. Une poutine. Non, déjeuner. Littéralement des poutines dans le menu. Poutine déjeuner. Bref. Littéralement une section poutine déjeuner. Mais c'est une patate. Une patate. Une patate. Fait qu'on est à le frier. C'est tellement bon. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ces deux-là. Qu'est-ce que vous faites, les membres du club du pelage noir? Une réunion, ça. Ah, ok, vous avez une réunion. C'est ça, vos réunions? Ouais. De la douceur, puis de la vieille haleine de saumon pré-mâché. J'ai des pattes d'en face, à ce moment. Mais oui, je sais. J'ai 3 pattes d'en face. Une patte là, une patte là, puis une patte là. Bon, ben on va commencer l'année en faisant... Oh, fudge! C'est dans ma mignon! Commence l'année en faisant ça? Ouais. Non, on va commencer l'année en faisant une bonne brassée de lavage. Après ça, je vais avoir une bonne brassée. En fait, non, je vais en avoir comme 3 parce que j'ai fait plein de lavage cette semaine, mais j'ai comme rien plié. Puis là, je vais aller vider la vaisselle, remettre de la vaisselle dans le lave-vaisselle. Puis après ça, je vais m'occuper à faire le ménage du réfrigérateur et du garde-manger. Parce qu'en fait, le garde-manger, c'est comme... Il est plein, il déborde, mais on n'a rien à manger. Fait qu'il y a quelque chose à quelque part qui ne fonctionne pas. Fait que je pense que je vais aller faire au moins un début de classement. C'est vraiment plate de commencer l'année avec ça, mais dans le fond, faut que ça se fasse. Fait que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire quoi? Ah bonjour, je suis sèche. Oui, on sait. Il y a maintenant 10% d'humidité. On s'est acheté un humidificateur finalement, on l'a acheté sur internet. Ah, super fancy avec un écran, puis une manette, puis des commandes d'or. Mais la question était, tu pourrais faire des stories avec. Pas sûr, tu peux faire des stories avec toi de nos jours 4 ans. En effet. Moi, je travaille à faire l'intégration des nouveaux costumes pour Super Fudge. Ouh, que vous en avez déjà vu quelques-uns si vous avez vu les derniers vlogs. Donc, je vous montre le tableau d'avance, ça va vous donner une idée. Donc, le tableau, ça va être comme ça ici. Donc, il va y avoir la ballerine à 3000 pièces, l'écolier à 6000 pièces, le policier, comme que vous avez vu sur le Instagram de Super Fudge, à 10000 pièces, le scientifique à 20000 pièces et le nouveau préféré de tous, je pense, le Warrior. Il était censé être beaucoup plus cher, il est mis à 30000 pièces. Parce que c'est le plus haut de la gang. Ouais, mais il est quand même pas si cher quand on y pense, contrairement aux autres. Fudge n'aime vraiment pas les balayeurs. Il est très inquiet. C'est l'équivalent raton laveur en machine. Bébé!
Pauvre gars! Pauvre. Il est tellement doux! Merci. Ça a aucun sens à quel point ce chat. C'est proche, ça. Je sais. Très proche. Qu'est-ce que tu fais? J'ai comme littéralement okay. pris la ça caméra, fait... ok? Je vous dis, là, j'ai pris, je l'ai vu faire, puis j'ai pris la caméra de vlog exprès pour vous montrer qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ça sonne comme une mauvaise idée. C'est juste qu'à cause de la boîte et des stupides rainures, comme je peux pas manger mes nerds comme du monde, donc j'ai eu la brillante idée. Comme... Mais ça... Ma question, c'est plus si tu le fais avec autant de confiance. C'est que c'est pas la première fois que tu le fais. Pis là, t'échappes des nerds partout encore. Fini comment? Les nerds, c'est pas pour les Jay. Fait qu'il y a Jay qui fait des conneries comme ça, puis après, il y a moi, il y a deux jours, qui a lavé le portefeuille de Jay avec toutes ses cartes, toutes ses immatriculations de voitures, ses assurances de voitures. Donc en ce moment, à cause de moi, Jay ne peut ni conduire son véhicule, ni conduire n'importe quel autre véhicule. Et là là, c'est des choses qui arrivent. Moi, mes stupidités n'affectent que moi. Oh, 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 comme si tu conduisais si souvent que ça, de toute façon. Don't try. Ouais. Hey. Donc là, j'ai fait le ménage du réfrigérateur parce qu'il y avait un truc qui avait coulé. Fait que j'ai comme tout nettoyé comme il faut. J'ai commencé à faire le ménage de l'armoire, tu sais, commencé à tout classer puis tout ça. Puis j'ai arrêté parce que c'est vraiment très long à faire. Puis j'ai joué aux Sims. On est encore en vacances dans notre tête un peu, honnêtement. On a tellement comme eu un fou mois de décembre que là, c'est juste comme... On peut respirer un peu. Mais là, sinon, j'ai commencé à planifier mes prochaines vidéos. Ah oui, je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Il est comme pas tout à fait droit encore. Je pense que je vais le mettre un petit peu plus haut. Mais j'ai écrit comme Girly Addict dans le bas. Puis j'ai mis la petite... C'est bien centré ou c'est pas bien centré? Ben non, je le regarde dans la caméra puis il est pas bien centré finalement. Fait que je vais recalculer. C'est tellement terminé? Ah oui, parce que j'ai pas centré mes trucs. Mais en tout cas... Femme, savoir centrer. Mais je trouve ça tellement cute! Dans le fond, je vais prendre ça. Puis je vais l'installer. Comme, je sais pas où encore, mais je sais que je filme une vidéo demain. Fait que ça va être installé à quelque part ici, là. Faut vraiment que j'arrange mon background, là, parce que j'ai comme... On dirait qu'avec le sapin de Noël pis les cadeaux, je pouvais mettre comme un million de trucs. Mais là, j'ai comme... J'ai ça, j'ai ce petit calendrier-là que je trouve vraiment beau, que j'ai acheté au Indigo. J'ai la petite tasse que la sœur de Jay m'a donnée à Noël. Fait que ça, je vais l'intégrer dans le décor. J'ai ça ici, mais ça, je pense pas que je vais l'utiliser si j'ai déjà ça, parce que ça ferait comme trop de trucs. Je sais que je veux changer un peu le background ici. Faudrait que j'imprime d'autres photos puis d'autres petits trucs. Puis sinon, mais je pense qu'il me faudrait une plante. Mais j'irai pas m'acheter une plante ce soir. En tout cas, je pense pas. Peut-être, je sais pas. Mais je trouve que ça fait beau, la verdure derrière. Fait que je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Là, ça me retourne à mon problème numéro 1. J'ai un studio puis une pièce complète. Mais tu sais, je veux rien mettre sur le mur. Parce qu'on a besoin d'un mur blanc quand on prend des photos puis tout ça. Puis je veux pas faire de trous non plus parce que je veux pas les boucher, tu sais, le jour où on va partir d'ici. Fait que, ben c'est ça, faut que je trouve un moyen d'installer ça. Mais je pense que juste avec ça, là, c'est vraiment mignon. Puis là, dans le fond, la vidéo que je filme demain, c'est mes meilleurs moments de 2017. Fait que, je sais pas, je trouve que c'est cute comme ça. Jay! Ah! Toi, là, je suppose que, genre, te rhabiller, sortir dans le froid pour aller au Carrefour Laval, c'est toutes des choses qui te tentent pas, right? Quelle raison? À l'acheter une plante. Fuck off! Pour mon décor! Y'a-tu toutes les plantes de ta responsabilité? Moi, je sais! Mais honnêtement, ça me tente vraiment pas de sortir, moi non plus. Mais faudrait que j'aille acheter une plante parce que mon décor il est vraiment trop vide. J'aurais pu juste, rien sur le mur. Tu sais, t'occuper de la plante existante? Ouais, j'aurais pu m'occuper de la plante existante, mais ça a l'air que. Ben, c'est ça. 175e fois qu'on vous montre Fudge aujourd'hui. Mais je vous jure qu'on le va. Oh oui! Il y a sa petite langue de sortie! Garçonnet! Ton cactus? Hey, je sais pas si c'est parce que j'ai dit dans un vlog que... Non, c'est même pas son cactus en plus. C'est ça. Mais dans le fond, son cactus, en tout cas, il est devenu comme full populaire. Fait que je sais pas s'il y a certaines personnes d'entre vous qui ont acheté des cactus à leur chat. Mais je voulais en acheter un nouveau pour Fudge. Puis il est plus disponible sur Amazon. Ils sont comme... back order, pis il y en avait full quand je l'ai commandé, fait que ben y a plus de cactus pour Fudge, mais là y a des sardines. Son cactus à lui, il est encore ici. Proche, right? Ben ouais, son cactus à lui il est ici, attends. Fait que ça c'est les jouets de Fudge, ok? Il y a son poisson qui est là-bas, il y a 3 sardines, il y a sa souris qui fait squeak, il y a son bacon, pis il y a son cactus qui commence à être vraiment comme dégueulasse, là, pis ça sent plus l'herbe à chat du tout parce qu'il y a trop joli avec. Ça sent juste la bave et le saumon. Regardez ça, comment il est pourri gâté, chat-là. Je sais pas si c'est normal d'avoir autant de jouets pour des chats. Vous me direz dans les commentaires si... Travaille pour ma compagnie, ok? Ah oui, c'est ça. Mais vous me direz dans les commentaires si vous avez autant de jouets pour vos chats, pis que, genre,
please, rassurez-moi, là, dites-moi que je suis pas si folle que ça, parce que, tu sais, j'avais un chat chez mes parents avant, mais elle jouait pas vraiment, honnêtement. Puis toi, Nounou, elle jouait pas vraiment non plus. Pas vraiment, hein. Nounou, c'était le chat de sa maman qui, malheureusement, est au paradis des chats depuis quelques temps. C'est triste. Donc, mais c'est ça, dites-moi dans les commentaires si... Pourquoi je vais aller en enfer des chats? Pourquoi il ira en enfer des chats? Parce qu'il aime trop le savon. C'est le meilleur des chats du monde. Le meilleur? Ouais. Pas vrai? Ben... Qui a sauvé? Je connais pas les chats des autres, là, mais... Je pense que tout le monde pense que son chat, c'est toujours le plus beau. Mais comme je pense que Fudge est comme une petite coche au-dessus des autres. Mais ça, je suis certaine que tout le monde dit ça. Fait que, en tout cas, dites-moi dans les commentaires si vos chats ont beaucoup de jouets aussi. Ou si c'est juste moi qui aime trop Fudge. Toi, tu me fais mourir de rire avec ta langue. On a décidé qu'on allait manger, puis c'est moi qui conduis parce que Jay peut plus conduire à cause de moi. Fait que c'est ça notre repas gastronomique. Ce soir, j'avais vraiment un craving de frites. C'est déjà qu'on a déjeuné comme de la merde. Ouais, non, mais c'était pas super quand même. Là. Mais ça nous arrive pas vrai dans le temps des fêtes. On a vraiment été comme sages. On a vraiment mangé beaucoup à la maison. Ben oui, mais pour vrai, oui, là. So proud. Puis malgré le fait que notre résolution de 2018, c'est vraiment de manger plus souvent à la maison, ben, on s'est dit qu'on pouvait quand même se gâter. Des fois, c'est bien, dans la vie. Qu'est-ce que tu fais? Non, pourquoi? J'ai mal partout. Ok, mais pourquoi tu fais des étirements parce que t'as mal partout? Il faudrait au minimum, dans le confort, à 1 mètre de mon bureau, que je fasse au moins des push-ups ou quelque chose pour bouger. Ouais. Parce qu'on a beau avoir un gym en bas de chez nous, on n'y va pas tant ces temps-ci parce que hashtag... Le problème, c'est que j'ai oublié, c'est ça mon gros problème. Ouais, moi aussi. Genre, je me réveille le matin, puis je suis juste comme, OK, plein de travail à faire aujourd'hui, plein de même trucs chose, à faire. Même chose, c'est une fonte mon ordi, je suis comme, alright, faut que je fasse mes patentes. Comme vous voyez, ouais, c'est super fun. On le voit mais, pas. Mais, ouais. Mais non, c'est ça. Mais sinon, quand je m'en rappelle, ben, je l'ai fait. Parce que dans ma tête, c'est comme si tu t'en souviens, t'as aucune excuse. Voilà. Puis je le fais aux 45 minutes. Comme ça, j'écoute mon émission, l'émission finie. Donc, t'as comme forcé comme un cadre. C'est bien. Donc, hey Google, set a timer for 45 minutes. OK, 45 minutes, starting now. Oh, ben, pas cher. Ouais, fait que si on termine le vlog avec nos... pas des résolutions, là, parce que j'aime pas dire ça. Je trouve que c'est trop comme formel, puis de toute façon, on au les suit jamais. Cas, c'est quand même pas fait. Non, pas des résolutions d'ordinateur ou d'écran ou de caméra ou de rien. On parle des résolutions, des objectifs à atteindre durant l'année, puis des choses comme ça. Mais j'aime pas ça utiliser ce mot-là, parce que finalement, en tout cas, on dirait qu'on les fait jamais. Donc là, en ce moment, il est 11h44, puis je vais sûrement aller me coucher dans comme 15-20 minutes. Hier, je me suis couchée à 10h40, parce que j'étais vraiment fatiguée. Donc cette année, j'aimerais ça, tranquillement, pas vite, essayer la majorité des journées, retrouver un cycle de sommeil comme un peu plus normal, là, c'est-à-dire me coucher un peu plus tôt, puis me lever plus tôt aussi, au lieu de me coucher à comme... 4h du matin, puis me réveiller à 8h du matin parce que je suis pas capable. Ah, tu y arranges les yeux du scientifique fou. C'est bien ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, j'aimerais vraiment ça tenter de me coucher un petit peu plus tôt quand c'est possible. Sinon, là, ça paraît pas, mais on veut manger plus à la maison aussi. Recommencer à aller au gym. Fait que dans le fond, là, tous nos objectifs cette année, on est jour 2 de l'année, puis on les a déjà toutes foirées. Fait que c'est excellent, ma foi. C'est vraiment très, très bien. Non, mais pour vrai, c'est des petits trucs qu'on aimerait ça. Puis tu sais, je pense pas. C'est avouer qu'on les foire. C'est ça. Voilà, on est capable de le dire. On n'est pas, c'est ça, on est ce genre de personne. Mais non, pour vrai, on est juste le 2. Puis moi, je suis de celles qui pensent que c'est pas parce que tu fais pas des trucs comme la première journée de l'année, la deuxième journée de l'année que ça fonctionnera pas. Puis sinon, comme on avait dit dans notre dernier vlog qu'on avait fait, dans le fond, on veut vraiment se concentrer beaucoup sur les vidéos aussi cette année. Fait qu'un petit peu plus de vlogs, au moins, au minimum, une vidéo sur ma chaîne principale. Je vais vraiment essayer le plus que je peux les samedis, mais sinon ça va être le dimanche. Mais comme à toutes les semaines, il va y avoir une vidéo sur ma chaîne principale, à moins que genre je sois vraiment malade ou qu'il y ait quelque chose de grave, ce qu'on souhaite pas évidemment. Mais je trouve qu'en 2017, il y a eu comme un relâchement de mon côté. Puis dans le fond, c'était comme... Je pense que c'était bien d'un côté parce que ça m'a permis de me remettre en question, puis je pense que c'est tout à fait normal aussi. Mais là, on dirait que je suis comme vraiment dans un mood où j'ai envie de créer plus de vidéos. J'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs que je vais vous faire, puis je suis vraiment excitée. Dans le fond, je vais recommencer à filmer demain, je pense bien. Ouais, je pense que demain, je vais recommencer à filmer. Donc ça, c'est vraiment excitant.
Puis sinon, ben, il y a plein d'autres petits trucs comme le super fudge. Il va y avoir des updates très bientôt. On va vous laisser savoir ça. Puis, dernier petit truc aussi avant que je termine la vidéo. On aimerait ça peut-être faire une vidéo où on vous parle de comment on a créé super fudge. On en parlait un peu tantôt. Puis, tu sais, ça passerait de comment on a eu l'idée, comment on a décidé de faire le jeu, qu'est-ce qui nous a inspiré, c'est quoi les logiciels qu'on a utilisés, c'est quoi les étapes pour faire un jeu. Parce qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui nous ont dit, c'est, ah, je trouve ça cool, moi aussi j'aimerais ça faire des jeux, comment on fait ça. Tu sais, évidemment, on peut pas tout vous montrer de A à Z parce que c'est pas mal plus compliqué que ça, mais des fois comme juste montrer les bases, puis tout ça. Fait qu'en tout cas, vous nous direz si ça vous intéresse, là, ce serait vraiment une vidéo dédiée, fait que ce serait pas un vlog, là, ce serait une vidéo par rapport à ça. Puis j'ai déjà commencé à comme faire un script ce soir, fait que dans le fond, j'espère que ça vous intéresse parce que sinon je vais avoir travaillé pour rien. Puis vous nous direz aussi si la vidéo de Disney vous intéresse toujours également parce qu'on l'a jamais faite. Puis on l'a comme pas fait dans le Vlogmas, mais si ça vous intéresse, on va la faire aussi. Donc, ben je pense que c'est pas mal ça, là. J'ai aucune idée de ce qu'on a comme footage de vlog aujourd'hui. Je sais pas si ça va être un vlog, je sais pas si ça va être deux vlogs, j'en ai aucune idée. Mais je vais quand même dire à Jay qu'il fasse le mot de la fin à l'instant, parce que je sais que vous êtes bien triste quand il n'y a pas de mot de la fin. Bonjour, nous sommes le lendemain, le soir. Comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est Catherine, mais là, sa caméra, elle fait oublie pas de faire le mot de la fin. Et moi, clairement, je suis en train de travailler, donc je suis comme, il faut que je travaille vraiment. Puis là, après, il devient super tard, donc j'oublie de faire le mot de la fin. Je vais aller me coucher quand réellement le lendemain matin. C'est comme, t'as-tu fait le mot de la fin? Je suis comme, non, j'ai pas fait le mot de la fin. J'ai quand même, bon, j'ai pas fait le mot de la fin. Je suis comme, là, j'ai pas pensé que je suis en train de travailler comme un fou. Bon. Donc. Ça va, Catherine? Oui. Petite explication rapide. Hein? Pas pire. Fantastique. Donc, non, c'est ça, parlant justement de magnifique travail. Si vous suivez le compte Play Super Fudge sur Instagram, j'ai remarqué qu'il y avait un petit bug. Ou est-ce que les bonus de 500 points n'étaient pas donnés dans certaines conditions? En fait, je m'explique, c'est si vous quittiez le store après avoir pris votre bonus de 500 pièces sans comme avoir acheté quelque chose n'importe quoi, il ne s'enregistrait pas. Non seulement c'est arrangé, hein? Merci beaucoup aux 20% des personnes qui rapportent des bugs et qui répondent réellement aux questions. Honnêtement, là, autant dans les concours, autant dans le formulaire de Super Fudge, généralement, là, 80% d'entre vous ne savent pas répondre à des formulaires. Je suis vraiment désolé. Là, vous, souvent, vous vous pointez vous-même, faites comme, non, c'est pas moi. Oui, c'est toi. C'est clairement toi. Tu sais que c'est toi. Lis les maudites questions. Donc, sur ce, ça a été arrangé. Et en plus, le bonus a été monté de 500 pièces à 650 pièces. Donc, c'est cela. Et en passant, pour ceux qui ont fait des... pour la question, c'est, si vous voulez ajouter une capture d'écran de Super Fudge, vous savez que vous n'avez pas besoin de prendre en photo votre téléphone. Hein? Il y a une capture d'écran, c'est... ça enregistre ce qu'il y a sur votre écran. Vous n'avez pas besoin de trouver une autre caméra ou un autre téléphone pour prendre en photo votre téléphone. Donc, on en apprend chaque jour, n'est-ce pas? Donc, soyez beaux, soyez coquins, je vous aime. Et c'est ça, on continue le beau travail. On a plein de belles affaires pour 2018, incluant avec Super Fudge aussi. Et c'est ça. Bye bye.